Jean-Marc, Thierry. Bonjour à tous. Ayant fait l'acquisition d'une nouvelle GoPro, j'ai pas mal prêté cette saison mon ancienne GoPro à un collègue qui a réussi à me capturer de jolies scènes que je vais vous partager dans cette vidéo. Bon visionnage. On commence avec une après-midi sous la neige où je suis en train de traquer. Je lève des sangliers et la suite en images. Jolie galipette de la GoPro, encore bravo. Peu de temps après, mon chien se met aux fermes un peu plus loin en dessous de lui. Je vous laisse écouter un peu ce moment. Je relèverai ce sanglier que je ne pourrai pas tirer à cause du chien, mais je finirai par le tuer pas loin d'un kilomètre cinq plus loin. Nouvelle scène assez inédite. Donc je viens de faire déjà au moins 40 minutes de marche. On a remisé un sanglier. Et je suspecte qu'il est remis juste en face là, pas loin. Donc je me prépare, hein, je règle ma GoPro, tac tac, je regarde si tout va bien. Je regarde si le point rouge est bien allumé. Et puis hop, c'est parti. Je vous laisse vivre la suite. Attention, ça va très vite. Ouvrez l'œil. J'ai ensuite volontairement coupé la scène. Car le sang sur la neige, c'est pas tout. Il est bien armé, je ne prends pas de risque, je l'achève d'une balle dans la tête. Nouvelle scène, ça va très vite, j'ai à peine le temps d'allumer la caméra. Ce sanglier sera loupé. On se retrouve avec mon collègue où une jolie compagnie de sangliers approche.
Il en prélèvera un. Voyons cette magnifique scène au ralenti. Il faut savoir qu'il ne peut pas tirer dans la ligne car il y a un posté un peu plus loin. Ça aurait été trop beau. Nouvelle scène du côté de mon père, une compagnie de sangliers arrive. Il va réaliser un magnifique quadruplé. La suite en images. Pour information, mon père n'a que 4 balles dans cette carabine. Le chien arrive et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Stop, Falco. Stop, Falco. Il entend, hein. Ses 4 balles tirées, il ne peut que regarder ce sanglier blessé s'enfuir. Il sera rachevé un peu plus loin par le tracker. Mais ce n'est pas fini. Un autre sanglier remonte le ruisseau en face. Il va tenter de recharger en vitesse pour le tirer. Malheureusement, celui-là sera loupé. Le quintuplé n'est pas passé loin. Et voilà, c'est déjà la fin. J'ai encore pas mal d'autres vidéos à vous partager, alors surtout, n'hésitez pas et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à continuer à faire plus de contenu. Merci à tous.